Souvent, mes étudiants n'aiment pas apprendre le subjonctif pour deux raisons. Parce qu'ils pensent que le subjonctif, c'est juste pour écrire ou comprendre un livre. Ou parce que la conjugaison grammaticale du subjonctif, aïe 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 aïe, c'est pas facile. Alors, je te le dis haut et fort, c'est pas vrai. Il faut apprendre le subjonctif pour dialoguer en français. Il faut que tu apprennes le subjonctif. Ça, apprenne, c'est pas tu apprends. T'aimes pas apprendre le subjonctif. Tu me dis ça dans les commentaires sous cette vidéo. Okay. Je m'appelle Sylvie Reeves et je suis la formatrice et l'accompagnatrice des étudiants du français passionnés par notre langue et notre culture. Alors, comment faire pour apprendre facilement le subjonctif? Dans cette vidéo, je te montre exactement comment apprendre à utiliser le subjonctif et nous allons nous concentrer sur les deux utilisations principales du subjonctif en français. Donc, pour exprimer un souhait pour les autres, par exemple. Parce que si tu dis « je veux avoir une nouvelle voiture », bon, là, il n'y a pas de subjonctif. Mais si tu souhaites la même chose pour ton fils, eh bien, tu vas dire « je veux que mon fils ait une nouvelle voiture ». Ait, A-I-T. D'accord ? La deuxième utilisation, c'est pour l'obligation. Et là, on peut l'utiliser pour soi-même. Il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille faire les courses. Tous les Français disent ça. Pour les meilleurs conseils, pour t'aider à améliorer ton français parlé, pour les plus belles vidéos filmées avec d'autres étudiants du français comme toi, où nous te montrons comment faire pour pratiquer le français en vraie conversation, et pour les tutoriels vraiment très utiles pour ton français posté régulièrement, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Parfum de France Language School, et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Oui, tu as vraiment besoin d'apprendre le subjonctif pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé. Alors, je te retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour ce tutoriel. Allez, c'est parti! L'objectif d'aujourd'hui, c'est donc d'apprendre à utiliser le subjonctif dans ta vie quotidienne. La vie quotidienne, ça veut dire la vie de tous les jours. Alors, pour deux utilisations principales pour aujourd'hui, la première utilisation, c'est exprimer un souhait, exprimer un désir. Nous allons voir ça en détail dans une minute. Et la deuxième utilisation, c'est pour exprimer une obligation. Alors, les autres utilisations que nous allons voir dans d'autres tutoriels, un peu plus tard cette année, c'est le subjonctif pour exprimer une opinion, le subjonctif pour exprimer une émotion et le subjonctif pour développer un point de vue. Parce que tu as un niveau intermédiaire à avancer, hein. Donc, il faut apprendre le subjonctif et garder toujours le sourire. Alors, pour exprimer un souhait, il y a des verbes qui expriment un souhait. Tu peux déjà peut-être les mettre dans la zone de commentaires sous cette vidéo. Quels sont les verbes que tu utilises pour exprimer un désir? Alors, je commence, hein, je t'aide un peu. Il y a le verbe souhaiter. Ça, c'est le premier. En deuxième, on retrouve le verbe désirer. Il y a aussi « avoir envie de ». Tu me diras après combien tu en as trouvé. Le verbe « vouloir », le verbe « préférer », « aimer », « aimer bien », « aimer mieux », « s'attendre à », ça c'est un peu plus compliqué, et au négatif, « ne pas souhaiter », »,« ne pas aimer », »,« ne pas vouloir », que. Parce que je t'explique, le subjonctif, il n'est pas dans la phrase principale, il est dans la phrase après le « je veux que », « nous voulons que ».
D'accord, nous souhaitons que. Le subjonctif, il va être dans la phrase relative. Alors, ce PowerPoint, je l'avais fait pour une présentation au France Show à Londres. Donc, il y a l'écran est un plus l'écran est un peu plus petit, je m'excuse, je vais te dire ce que tu ne peux pas voir. Donc, l'indispensable que, oui, je veux que, nous avons envie que, elle souhaite que. Alors, regarde, comme toute la grammaire en français, c'est toujours le cas, il y a les verbes réguliers en ER du premier groupe et il y a les verbes réguliers aussi en IR. Alors, regarde, dans le premier groupe, c'est impressionnant. Si je dis « je veux que tu manges ta soupe », eh bien, regarde, c'est exactement comme le présent de l'indicatif en français, de tous les verbes ER. Hein. Je passe de bonnes vacances, tu manges ta soupe. Donc, je veux que tu manges ta soupe, je veux qu'il travaille moins, je veux qu'elle trouve un mari, je veux qu'on arrive plus tôt et je veux qu'il s'amuse beaucoup. Mais regarde, donc, pour les verbes du premier groupe en ER, d'accord? Eh bien, la seule différence, c'est avec le vous et le nous. Je veux que vous partagiez, IEZ, des blagues avec les amis et que nous arrivions à temps. Alors, si vous êtes vraiment bon en grammaire française, les deux terminaisons partagier et arrivions, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Ok, mais nous allons faire ça ensemble après. Alors, les verbes réguliers en IR, ça ressemble au mot saucisse. Si vous pouvez mémoriser que c'est comme la saucisse, que je veux que tu finisses tes devoirs, nous avons envie qu'il choisisse un prénom, qu'elle fleurisse son jardin, qu'on guérisse, d'accord, qu'il choisisse. Et puis, le troisième groupe, si tu veux bien, nous n'allons pas en parler aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a évidemment aussi les verbes irréguliers, et pour le verbe être, eh bien, il faut penser, écoute la sonorité « soit », d'accord, il faut que tu sois courageux pour être un chien policier. C'est un premier tutoriel sur le subjonctif. C'est une découverte, mais je vous expliquerai d'autres choses, bien sûr. Donc, écoutez bien avec le verbe être. Je veux que tu sois courageux, toi le chien policier, avec le lion et le chat. Je veux que tu sois très, très courageux, petit chat, pour avoir un cœur de lion. Et si tu regardes maintenant la girafe et puis le petit chat, je veux que vous soyez heureux. Ça, c'est le verbe être au subjonctif. Ensuite, je veux que tu aies un petit bébé girafon, je vais dire à la girafe. Donc, A-I-E-S, c'est le verbe avoir. D'accord? Et tu vois ici apparaître que vous fassiez. Donc, fassiez, je vais dire aux girafes du zoo de Douai à côté d'ici, je veux que vous fassiez beaucoup de bisous à vos bébés girafes. Eh bien, c'est vraiment le verbe faire. Il faut penser à fasse. C'est toujours fasse. Voilà le verbe que nous soyons. Je vous ai dit, c'est un peu par intuition là que j'aimerais que vous compreniez les choses. Hein. Donc, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que vous soyez, que nous soyons. Je souhaite à tous que nous soyons libérés du Covid-19 bientôt. Et regardez là, l'origine, que nous ayons, hein, c'est le verbe avoir. Et alors, vous voyez d'autres qui apparaissent. Je suis désolée parce que la photo était sur un plus grand écran. Donc, puisse, c'est le verbe pouvoir.
aille. Aïe, 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 aïe. C'est le verbe aller. D'accord? Que vous alliez, que tu ailles. Et prenne, c'est le verbe prendre. Alors, je suis désolée de cette image qui n'est pas très bonne. Hein, donc, on voit que tu es, c'est le verbe avoir. Que vous ayez, avoir. Que vous fassiez, c'est faire. Que vous soyez, c'est être. Que nous ayons, c'est avoir. Ensuite, on continue. Pouvoir, que tu puisses. Aller, que tu ailles. Que vous alliez. Prendre, que tu prennes. Alors, allez, on fait tout de suite un essai et je vous explique des choses. Alors, petit exercice, tu peux le faire en même temps que moi si tu as déjà appris le subjonctif. Donc, j'aimerais bien que tu... Alors, ce n'est pas que tu fais la vaisselle. Nous avons un verbe de désir. Nous exprimons un désir pour une autre personne. Donc, j'aimerais bien que... Et c'est la phrase relative qui va être marquée par le subjonctif. Et pour le verbe faire, eh bien, c'est toujours, le début c'est fasse. Donc j'aimerais bien que tu fasses la vaisselle. Nous souhaitons que vous, alors vous vous souvenez ce qu'on a vu, le verbe être, le son c'est soit. Alors vous n'allez peut-être pas tout de suite savoir que c'est que vous soyez heureux. J'ai envie à qu'il. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure pour les verbes réguliers du premier groupe? C'est comme le présent de l'indicatif. Donc, vous pouvez prendre un peu le temps. Hein. Envoyez-moi vos réponses dans les commentaires. Je vous aiderai. Qu'il m'achète des fleurs. Et avoir au subjonctif, on ne peut pas dire j'ai envie que vous avez plus de chance. Mais j'ai envie que vous ayez plus de chance. Je voudrais que il m'achète des fleurs. On va voir, je voudrais qu'il m'achète des fleurs. On veut que tu... On ne dit pas on veut que tu aies un nouveau travail. Non, non, non. On veut que tu aies. A-I-E-S. Et alors, venir au subjonctif. Nous avons une rivière à côté de Fontevraud qui s'appelle la Vienne. Donc, nous allons dire, vous préférez qu'elle vienne à quelle heure? Donc, c'était la première utilisation du subjonctif. Et maintenant, je voudrais voir la deuxième utilisation. C'est pour exprimer une obligation au quotidien. Alors, là, c'est un petit peu différent. Voilà, tu as le choix. Est-ce que l'on dit, il te reste à manger? Non, il faut que je fasse les courses, que je fais les courses ou que je ferai les courses. Allez, vous répondez dans les commentaires. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est que je fasse les courses. F-A-2-S-E. Ton fils rentre de vacances. Il faut que tu vas le chercher à la gare? Que tu iras le chercher à la gare? Ou que tu ailles le chercher à la gare? Donc, une obligation avec il faut que ou il ne faut pas que est suivie du subjonctif. Donc, le subjonctif d'aller, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Aïe! Aïe, 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 aïe! Nous devons aller chez le dentiste. Il ne faut pas que nous oublierons, ça c'est le futur, oublierions le conditionnel, oublions notre rendez-vous. Eh bien, il ne faut pas que nous oublions notre rendez-vous. Alors maintenant, c'est à toi de tester. Dès que tu vas avoir l'occasion de parler avec ton professeur, tes amis ou voisins français, essaie de formuler ce subjonctif pour exprimer un souhait. Je vais te retrouver pendant tout l'hiver pour d'autres tutoriels sur le subjonctif. Mais je vais mettre en lien sous cette vidéo un cadeau pour toi. C'est une carte visuelle de tout ce qu'il faut savoir sur le subjonctif. Merci d'aimer, de partager cette vidéo pour faire connaître mes bons conseils et ma chaîne YouTube Parfums de France Language School. À très bientôt.